À chaque fête, le gouverneur avait pour coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste !» Cela vous regarde. Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants !» Alors Pilate leur relâcha Barabbas et, après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Le chemin de la douleur, le chemin de Golgotha. Les soldats essaient de frayer une voie, mais la foule se presse pour voir celui qui mourra sur la croix. Il doit subir les insultes de son cou, de son dos, une couronne d'épines sur son front. Il affronte à chaque pas la haine de ceux qui veulent sa mort.
arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique.